Le président de l'Union des démocrates et socialistes, Hissine Djibril Mursal, a fait un point de presse pour annoncer l'installation des nouveaux membres de sa formation politique. Suivez. L'UDS annonce officiellement la campagne d'installation de ses 23 bureaux régionaux qui ont été mis en place au lendemain de sa création le 23 juin 2015. Cette campagne sera lancée sur l'ensemble du territoire national à compter du 15 novembre 2017. Quand cela ne tient, le parti le demande d'appliquer et de respecter les consignes qui consistent à rendre lisible et compréhensible son programme politique riche et varié afin de stimuler davantage une adhésion massive et populaire à ses idéaux. L'UDS le demande à ne pas céder aux chantages et aux mensonges politiciens, ni t'était pas la tentative de son exclusion de la majorité présidentielle et celle de la déstabilisation de son bureau politique national. Étant un parti politique de la majorité présidentielle, l'UDS réaffirme son ferme engagement à soutenir le chef de file de la majorité présidentielle, le président de la République, chef de l'État. Le secrétaire général du conseil régional du MPS du CANEM a rencontré à Mao les militants du conseil départemental et communal. Au menu, la restitution de la rencontre entre les 23 secrétaires régionaux. Kalianga Voudna. Informer la base de la rencontre entre les secrétaires généraux du mouvement patriotique du salut et le président fondateur Idriss Déby Itno, c'est le souci qui a guidé le secrétaire général du conseil régional du MPS du CANEM, Mustapha Ali Zezerti, à échanger avec les militants et militantes de cette formation politique. Aussi, cette rencontre lance les activités du parti dans cette région. Trois points ont été inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de la prochaine échéance électorale, la désignation des candidats à la base et la restructuration des organes de base du parti. Pour le secrétaire général régional du mouvement patriotique du salut du CANEM, Mustapha Ali Zezerti, le moment est tout indiqué pour que les militants et militantes accompagnent le programme politique du président de la République pour le bien-être de la population, avant d'ajouter que les militants doivent se mobiliser pour le triomphe des idéaux du mouvement patriotique du salut. À Biltine, dans la région de Wadi Fira, c'est un meeting qui est animé par les membres du conseil régional du MPS. Il est axé sur les efforts consentis par le président fondateur du parti, Idriss Déby Itno, dans la région. Varela Dji. Les orientations du président fondateur du mouvement patriotique du salut, axées sur la redynamisation de cette formation politique pour les prochaines échéances électorales, portent ses fruits à travers le pays. À Biltine, dans la région de Wadi Fira, les militants et sympathisants du conseil régional du MPS et leur secrétaire général, Ahmad Gadam, parlent le même langage. À travers un meeting initié par le conseil régional du MPS, Ahmad Gadam loue les réalisations faites par le président fondateur du MPS à l'égard de cette localité. Il s'agit, entre autres, des constructions des édifices publics pour le développement harmonieux de la région. Hormis ces réalisations, Ahmad Gadam a également abordé la question de la crise économique due à la chute des matières premières sur le marché international. Selon lui, celle-ci a eu des répercussions sur le panier de la ménagère. Le leadership du président de la République, Idriss Déby Itno, ayant abouti à la réussite de la tenue de la table ronde de Paris en France et les réformes institutionnelles qui feront l'objet d'un forum national n'ont pas été occultées par le secrétaire général du conseil régional du MPS de la région de Wadi Fira. Restant toujours dans le Wadi Fira, cette fois-ci, le secrétaire général du conseil régional du MPS, Adam Gadam, a rencontré les membres des différentes cellules. Retrouvons Varelaj une fois de plus. Cette rencontre conviée par le secrétaire général du conseil régional du MPS de Wadi Fira et qui a regroupé les représentants des différentes cellules consiste à adopter de nouvelles stratégies de mobilisation des militants en faveur du parti. Et pour parachever l'œuvre, tous doivent se mettre au même degré du militantisme puisqu'au sein du MPS, l'on ne parle jamais des militants des premières heures ni ceux des dernières heures, soutient le secrétaire général du conseil régional du MPS. Il demande aux sympathisants de redoubler d'efforts pour brandir les flambeaux de leur formation politique.
Le secrétaire général du conseil régional du MPS, Ahmad Gadam, n'a pas manqué d'exhorter les adeptes du MPS d'être solidaires derrière leur président fondateur, Idriss Déby Itno, en vue de booster l'économie du pays. À Ati, dans la région du Bata, le secrétaire général du conseil régional du MPS, Brahim Senoussi Imam, a tenu aussi un meeting. Il était question de nouvelles orientations pour la mobilisation des militants en faveur de leur formation politique. Mama Tahir Dibrin Al-Hour. Arrive quelques jours après la rencontre des 23 secrétaires généraux régionaux à N'Djamena. L'objet principal est, selon Brahim Senoussi Imam, de livrer un message de remerciement aux militants. Il rend hommage à l'engagement constant des militants du Bata qui, lors des élections de 2016, se sont fortement mobilisés. Le SG régional du MPS informe en outre que lors de leur rencontre à N'Djamena, plusieurs sujets liés à la vie du parti ont été débattus. La réforme des institutions de la République à travers l'organisation d'un forum n'a pas été perdue de vue. Brahim Senoussi Imam demande aux militants de soutenir le gouvernement pour l'organisation et la réussite de ce forum qui s'annonce un défi qu'il faut relever quand on regarde les climats sociaux politiques du pays.